الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, notre lecture ainsi que les quelques commentaires sur le livre Al-Wajiz, fi fiqh sunnati wa al-kitab al-aziz. La semaine dernière, on avait entamé le chapitre des endroits dans lesquels il nous est interdit de prier. On avait parlé du hadith du prophète alayhi salatu wassalam, hadith de Abi Huraira radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été surpassé des autres prophètes et envoyés sur 6 points. Et on avait profité de l'occasion pour parler des bienfaits du prophète alayhi salatu wassalam, de ses qualités, de l'amour qu'avaient ses compagnons envers lui et de l'amour que l'on se doit d'avoir envers lui alayhi salatu wassalam. يقول المؤلف المواضع التي نهي عن الصلاة فيها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. حديث صحيح رواه مسلم. Donc les endroits dans lesquels il nous est interdit de prier. Selon Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: j'ai été surpassé des autres prophètes et envoyé sur 6 points. Il m'a été donné, u'atitu jawami' al-kalim, il m'a été donné l'ensemble des paroles. Wa nusirtu bir-ru'b, il m'a été donné la victoire par la peur. Wa uhidat li al-ghanaim, et le butin m'a été autorisé. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا, et la terre est pour moi un moyen de pureté et un endroit de prière. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, et j'ai été envoyé à l'ensemble des créatures. وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ, et je suis le sceau des prophètes et des envoyés sallallahu alayhi wa sallam. On avait dit que dans ce hadith le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam parlait des bienfaits d'Allah sur lui et qu'il appliquait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit: « وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, et quant au bienfait d'Allah sur toi, informe les gens. » Et on avait dit que le prophète alayhi salatu wassalam avait cité 6 points, non pas à titre de restriction, mais à titre d'exemple. Et on avait dit que l'imam al-Suyuti rahimahullah avait écrit un livre qu'il a appelé « Khasa'is al-Nabi » sallallahu alayhi wa sallam, un livre qui contient 3 volumes, et où il a énuméré plus de 200 caractéristiques du prophète alayhi salatu wassalam. Donc la première caractéristique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il m'a été accordé les paroles générales ou les paroles globales, jawami'ul kalim. Et les savants ont expliqué jawami'ul kalim en disant premièrement que c'est le Coran, que c'est le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est une parole globale et elle a été accordée au prophète alayhi salatu wassalam. De même que les savants ont dit que Jawami'ul Kalim englobe la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et que le prophète alayhi salatu wassalam avait le don de dire des paroles qui étaient petites en quantité, mais qui étaient grandes en valeur, en morale et en contenu. Parmi les paroles du prophète alayhi salatu wassalam que les savants ont considérées comme Jawami'ul Kalim,
la parole du prophète alayhi salatu wasalam lorsqu'il dit ad-dinu nasiha, la religion c'est le conseil, ou le hadith où le prophète alayhi salatu wasalam dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khayr, ne sera véritablement croyant l'un d'entre vous que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour soi-même de bien. Et autant de hadiths qui, dont la plupart ou beaucoup de ces hadiths sont cités dans le livre Al-Arba'in al-Nawawiyya, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. La plupart de ces hadiths sont considérés par les savants comme étant des paroles globales qu'a cité le prophète alayhi salam. Globales, c'est-à-dire qu'elles sont petites en quantité, mais elles sont grandes en valeur et en contenu. Et le prophète alayhi salam a dit, il m'a été accordé la victoire par la peur. Et dans une autre version du hadith, le prophète alayhi salam a dit, et j'ai été, on m'a donné la victoire, Allah m'a donné la victoire par la peur d'une distance de un mois, la distance qui est parcourue en un mois à dos de chamel. Et au temps du prophète alayhi salam, les mushrikin, les associateurs avaient peur du prophète alayhi salam, alors qu'ils étaient éloignés de lui, alors qu'ils étaient éloignés de lui, mais lorsqu'ils entendaient parler du prophète alayhi salatu wassalam, une peur prenait leur cœur, une peur apparaissait et était visible dans leur visage. Et le prophète alayhi salatu wassalam a cité dans le hadith à la distance qui est parcourue en un mois, mais il y a d'autres hadiths qui prouvent que la peur des ennemis du prophète alayhi salatu wassalam pouvait être ressentie à une distance plus lointaine que celle-ci. Comme cela a été rapporté selon dans un hadith authentique, Malik al-Rum, le roi des Romains à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, avait peur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il était où? Qu'il était où? Naam. Et le prophète alayhi salatu wassalam était dans la péninsule arabique. Et il avait peur du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a même dit sa parole très connu lorsqu'il dit Sayam Liko Maudi'u Qadamei Hadihi. Il a même dit que l'endroit où ce roi pose ses pieds, le prophète alayhi salam, il aura cet endroit en sa possession. Il savait que le prophète alayhi salam allait, que sa da'wa, que la prêche du prophète alayhi salam, que l'islam allait se propager jusqu'à arriver à l'endroit où se situait ce roi des Romains. Puis le prophète alayhi salam m'a dit, wa uhidat li al-ghanaim, et le butin m'a été autorisé, le butin qui est récolté après une bataille. Wa ju'idat li al-ardu tahura wa masjida, et la terre est considérée comme un moyen de pureté et un moyen de prière et un endroit de prière. Alhamdulillah. Un moyen de pureté qui est utilisé lorsque la personne fait At-Tayammum. On avait cité les règles régissant At-Tayammum. Et ensuite le prophète alayhi sallam a dit wa ursiltu ila an-nas ila al-khalqi kaffatan, et j'ai été envoyé à l'ensemble des créatures. Et le prophète sallam a dit ila al-khalqi kaffatan, c'est-à-dire les djinns et les humains. Wa khutima bi an-nabiyyun, et je suis le sceau des prophètes. Donc dans ce hadith, on en déduit que la terre est considérée pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant un moyen de purification et un endroit de prière. La règle est celle-ci. يَقُلُ الْمُؤَلِّفُ فَالْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ. Et l'auteur dit, la terre est donc entièrement un endroit de prière, sauf les endroits qui ont été cités dans les hadiths qui vont suivre. عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك حديث صحيح رواه مسلم. Selon جندب بن عبد الله البجلي, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, avant qu'il meure de cinq,
Et les savants comme l'imam al-Nawawi ont dit avant 5 nuits, c'est-à-dire peu avant que le prophète alayhi salatu wassalam ne meure, de 5 jours ou de 5 nuits. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire avant qu'il ne meure de 5 nuits, ceux qui étaient avant vous, prenez les tombes de leurs prophètes et de leurs saints comme des endroits de prière. Ne prenez pas ces tombes comme endroits de prière. Je vous interdis de faire cela. Inni anhaakum an dhalik. On en déduit de ce hadith que le prophète alayhi salatu wassalam a interdit de prier dans un endroit où il y a une tombe. Ou plus en général, dans un endroit, dans un cimetière. Les savants l'ont déduit qu'il est interdit de prier dans un cimetière ou dans un endroit où il y a une tombe ou bien alors dans une mosquée qui contient une tombe. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-ard kulluha masjid illa al-maqbara wa al-hammam hadith sahih rawahu Abu Daoud wa Ibn Majah wa Tirmidhi. Et selon Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agré, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la terre est entièrement un endroit de prière. Al-ard kulluha masjid, illa al-maqbara wa al-hammam. Hormis les tombes, hormis les cimetières et les hammam. C'est-à-dire les endroits où l'on se lave. Al-hammam. En arabe, c'est l'endroit où l'on se lave, qui vient du mot al-hamim. Al-hamim qui est l'eau chaude. Donc l'endroit où l'eau chaude est utilisée, c'est-à-dire l'endroit où l'on se lave. Et il ne faut pas comprendre ce hadith comme al-hammam qui est connu à notre époque, c'est-à-dire les toilettes. À notre époque, le terme al-hammam est utilisé pour définir les toilettes. Or, au temps du prophète, alayhi salam, c'était un terme qui désignait l'endroit où l'on se lavait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-ard kulluha masjid » La terre est entièrement une mosquée. Masjid, c'est-à-dire un endroit où l'on se prosterne. Les savants ont dit « Masjid ay makanun lissujud » Illa al-maqbaratu wal-hammam » Sauf le cimetière et l'endroit où l'on se lave. Et les cimetières, les savants ont dit que la cause de l'interdiction de prier dans un cimetière, c'est que notre religion nous ferme les portes qui pourraient nous amener vers un mal. Saddu al-dara'ir, ce que les savants appellent saddu al-dara'ir, car le fait de prier dans les tombes peut amener les personnes à faire du shirk, peut amener les personnes à invoquer les morts qui sont enterrés dans ce cimetière, peuvent être amenés petit à petit, au fur et à mesure du temps, d'invoquer ces morts et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'adorer ces morts en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc interdit de prier dans l'enceinte d'un cimetière. Et les savants ont dit, même si tu pries dans un endroit isolé du cimetière qui ne comporte pas de tombe, à partir du moment où tu rentres dans l'enceinte du cimetière, il est interdit d'y prier. Et les savants ont même dit que la prière de celui qui prie dans un cimetière est considéré comme batila, est considéré comme nul. Hormis une prière qui est autorisée, qui est salatul janaïs, salatul janaza, la prière funéraire est la seule prière qui est permise dans, qui est permise à qui nous est permis de faire dans l'enceinte d'un cimetière. La preuve et le hadith où le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était informé de la femme qui nettoyait la mosquée et qui est morte de nuit, les compagnons, radiallahu anhum, l'ont enterré sans prévenir le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il a été tenu au courant de la mort de cette femme, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, s'est empressé d'aller au pied de sa tombe et de prier sur elle. Et savants en déduit donc qu'il est autorisé de faire salatul janazah, la prière funéraire, dans l'enceinte d'un cimetière, et uniquement cette prière, et pas d'autres prières. Illa al-maqbaratu wal-hammam, sauf le cimetière et
Al-Hammam, l'endroit où l'on se lave. Les savants ont dit, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, Mawdi'ul al-Mughtasalat. C'est-à-dire l'endroit où l'on se lave. Wal-Hammam, Mawdi'ul al-Qadar wal-Najasat. Wa'illatu man'i salati fih al-Najasa. Et Al-Hammam, c'est un endroit qui est sale et qui comporte des impuretés. L'interdiction d'y prier, les savants ont donné plusieurs explications. Certains ont dit il est interdit de prier dans Al-Hammam, c'est-à-dire dans une salle de bain, si on traduit à notre époque, c'est que la salle de bain est un endroit qui est sale, qui comporte des impuretés. Et certains savants ont dit, à partir du moment où cet endroit est propre, la cause de l'interdiction n'existe plus, donc l'interdiction est levée. Car il y a une règle dans Usul Fiqh qui dit « Al-illatu taduru ma'al-hukmi wujudan wa adaman ». La cause, elle suit toujours le jugement, qu'il soit existant ou inexistant. Quand la cause est existante, le jugement est existant, et lorsque la cause est inexistante, le jugement est inexistant. Comme ici, si on donne un exemple, certains savants ont dit qu'il est interdit de prier dans les salles de bain car c'est un endroit qui comporte des saletés. Donc tant qu'il y a de la saleté, il est interdit de prier. On a là la cause et on a là le jugement. La cause qui est l'impureté et le jugement qui est l'interdiction de prier. Et lorsque la cause disparaît, lorsqu'il n'y a plus d'impureté, le jugement disparaît aussi, c'est-à-dire qu'il n'est plus interdit de prier dans la salle de bain. Parce que les savants disent, Al-illatu taduru ma'al hukmi wujudan wa adaman. Mais d'autres savants ont dit que la cause de prier, qu'il est interdit de prier dans la salle de bain, est autre que l'impureté. La cause, c'est que c'est un endroit qui contient des shayatines, des diables. Et tout endroit où ils sont présents des diables et des shayatines, il nous est interdit d'y prier. Ils ont cité comme preuve le hadith du prophète alayhi sallatou wassalam lorsqu'ils étaient en voyage, lorsque le prophète alayhi sallatou wassalam était en voyage avec ses compagnons et qu'ils se sont levés pour salat al-subh bien après que le soleil se soit levé. Et les compagnons du prophète alayhi sallatou wassalam ainsi que lui dormaient tous. Et le prophète alayhi sallatou wassalam était le premier à s'être levé. Et qu'est-ce qui avait réveillé le prophète alayhi sallatou wassalam? C'était la chaleur du soleil. La chaleur et la lumière du soleil qui ont réveillé le prophète alayhi sallatou wassalam. Il a alors ordonné à ses compagnons de se lever, de faire leur ablution. Et ensuite le prophète alayhi sallatou wassalam a dit « لِيَأْخُذَا كُلُّ رَجُلٍ رَأْسَ رِحْلَتِهِ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرْنَا فِيهِ الشَّيْطَانِ » Le prophète alayhi sallatou wassalam a dit à ses compagnons de prendre leurs montures et de les déplacer, car l'endroit où nous avons dormi cette nuit est un endroit où était présent le diable. Et les savants ont déduit qu'il est interdit de prier dans les endroits qui sont connus pour contenir des diables, comme Amakin al-Fisq ou al-Fujur, comme les endroits de turpitude et de façade. D'autres savants ont même dit comme par exemple les églises. Même si d'autres savants ont dit que de prier dans les églises est interdit à partir du moment où il y a des représentations, des figurines. À la kulli hal, la règle, c'est que tout endroit où il est susceptible de contenir des diables, il est déconseillé d'y prier. Et donc l'avis de beaucoup de savants est qu'il est interdit de prier dans le hammam. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, a rassemblé les deux avis. A dit, lorsque la salle de bain est sale, il est interdit d'y prier, car il y a la saleté. Et lorsque la salle de bain est propre, il est interdit d'y prier, car c'est un endroit qui contient les diables. Donc dans les deux cas, les savants interdisent de prier dans les salles de bain. Au min babi awla al-marahid. S'il est interdit de prier dans les salles de bain, il est encore plus interdit de prier
dans les toilettes. Car certains vont dire, le hadith du prophète sallam dit al-hammam. Il dit la salle de bain, il dit pas les toilettes. C'est pire de prier dans les toilettes que de prier dans les salles de bain. Et le musulman a sa izza. Allah subhanahu wa ta'ala dit walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Et la puissance appartient à Allah, à son envoyé et aux croyants. Donc un musulman ne doit pas se rabaisser jusqu'au point de faire la prière, de être en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala dans des endroits comme cela. Un musulman est fier, il a sa fierté, il a son honneur. Lorsqu'il prie, il ne doit pas avoir honte de prier. Et malheureusement, on entend beaucoup de personnes qui, dans leur lieu de travail, sont humiliées, wal'ayadu billah, au point d'aller prier dans les salles de bain et dans les toilettes. Wal'ayadu billah. Comme si c'était un mujrim, comme si c'était un gangster, comme si c'était un délinquant, comme si c'était un criminel. Il est obligé de se cacher, de fermer toutes les portes derrière lui pour aller à l'encontre d'Allah, aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala et être en relation avec son Seigneur. Non, le musulman, il est fier. Le musulman, il est au-dessus de ceux qui n'ont pas eu cette chance, qui n'ont pas eu ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'islam. Le musulman doit être fier d'être musulman. Il doit être fier de poser son front par terre et de se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui, dans son lieu de travail, n'a pas d'endroit où prier, alhamdulillah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-ardu kulluha masjid. La terre est entièrement un endroit de prière. Si tu ne peux pas prier dans ton lieu de prière, sors dehors, va dans la pelouse, si les gens te voient, et alors? Est-ce que tu fais quelque chose de mal? Non. Et ces choses-là nous manquent beaucoup. Le fait que le musulman est fier, le musulman est à l'honneur de montrer sa religion. Il doit avoir l'honneur et la fierté de montrer sa religion à tout le monde. Et qui sait, peut-être que si une personne te voit en train de prier et qu'il n'a jamais vu de personne prier avant, ça va être la cause de sa conversion en islam. Et tu auras, par ce bienfait que tu as fait de prier, tu auras aussi par la suite été la cause pour que un non-musulman ou un musulman commence sa prière. Il suffit qu'un musulman qui a une faible foi passe devant toi et se dit subhanallah, ce frère qui prie devant tout le monde, il n'a pas honte, il est fier, mashallah, et moi la honte je prie même pas, je ne fais même pas la salat. Ça va être peut-être un déclic pour que cette personne fasse sa prière. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit ad-dalu ala al-khayri kafa'ili. Celui qui montre un bien aux gens, c'est comme si il l'avait accompli. وعن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. حديث صحيح رواه ابن ماجة وأبو داود. Et selon Abu Sa'id al-Khudri, et selon Al-Bara ibn Azib, Afwan, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné sur la prière dans les endroits où stationnent les chameaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne priez pas dans les endroits où stationnent les chameaux, car elles font partie des diables. فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينَ. C'est-à-dire les chameaux. Car les chameaux font partie des chayatines. وَسُئِلَ عَنْ مَرَابِدِ الْغَنَمِ. Et il a été questionné sur l'endroit où stationnent الْغَنَمِ, c'est-à-dire les vaches, les bovins et les ovins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةَ. Priez dedans, car c'est une bénédiction, c'est-à-dire al-ghanam. Les bovins et les ovins sont une bénédiction. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud ibn Majah.
les endroits où stationnent les chameaux, les savants ont dit, comme Cheikh Al-Abbad, Hafidahullah, il dit, Al-Amakin, Al-Amakin, Al-Lati Tabruku Fiha Al-Ibil, Wa Takunu Maqarran Laha, Wal-Makan, Al-Lati Ta'atinu Fiha, Fa'innahu La Yusalla Fiha. Cheikh Al-Abbad, qu'Allah le préserve, dit, les endroits dans lesquels les chameaux stationnent, ou qu'ils prennent comme maison, ou comme étable, si on peut parler d'étable pour un chameau, il est interdit d'y prier. Et cela, la cause de l'interdiction de prier dans les endroits où stationnent les chameaux, la cause n'est pas l'impureté de son urine et de ses excréments. فَإِنَّهَا طَاهِرَةٌ وَبَوْلُ وَرَوْثِ وَبَوْلُ وَرَوْثُ كُلِّ مَا تُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ. Bien au contraire, l'urine et l'excrément du chameau sont purs. Et l'urine et l'excrément de tous les animaux qui nous est autorisé à la consommation sont purs. ولكن المنع من ذلك لما في الإبل من الشدة والغلظة وأنها يعرف لها شدودا فإنه تلحق الضرر على من يصلي حولها. Et le cheikh dit, mais la cause de l'interdiction, c'est que le chameau est un animal dur. C'est un animal coriace, c'est un animal agité, c'est un animal dangereux. Et il peut faire du mal à celui qui prie à proximité. Ou au minimum, de prier à côté d'un chameau dérange celui qui prie. وإن حصل منها شدود أو نفار فإنه لا يحصل الضرر بها. Contrairement aux bovins et aux ovins, ce sont des animaux qui sont calmes, qui sont sereins, même si quelquefois ils sont agités, mais cette agitation ne porte pas préjudice à ceux qui sont autour d'eux. ولهذا كان أصحاب الإبل تغلب عليهم الشدة. Et c'est pour cela que ceux qui ont des élevages de chameaux ont un tempérament dur. Le tempérament des chameaux, la dureté des chameaux, est transférée, ou ceux qui élèvent des chameaux sont influencés par la dureté et le fait que le chameau soit coriace. Une personne qui élève des chameaux, au fur et à mesure du temps, il aura un caractère dur. وبخلاف أصحاب الغنم فإن عندهم السكينة والهدوء. Contrairement à ceux qui élèvent des ovins et des bovins, les bergers, ils sont connus pour avoir un tempérament calme et doux. خلقهن من الشياطين. ليس المقصود أن مادتها من الشياطين وإنما المقصود أنها من حملة الشياطين المتمردة الذين عندهم الخبث والشدة والغلظة والأذى وهذا سواء كان الإبل فيها أو لا. Et concernant le fait que le chameau fait partie des diables, le cheikh dit, il ne faut pas comprendre dans cela que les composants du chameau, ce qui compose un chameau, fait partie des composants du diable. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le chameau fait partie des shayatines car il lui ressemble, car les chameaux ressemblent au diable dans leur dureté, dans leur férocité et dans le mal qu'ils peuvent faire. Et c'est connu chez les chameaux, lorsque tu lui fais un mal, il ne l'oubliera jamais. S'il te voit 10 ans après, il saura que tu lui as fait du mal. Et il essaiera de se venger. Les chameaux sont connus pour être des animaux très très durs. On avait cité quelques exemples la semaine dernière lorsqu'on parlait des caractéristiques du prophète et des Ansar, des gens de Médine qui venaient
souvent se plaindre au prophète de la dureté de leur chamelle. Et le cheikh dit, et ceci, que le chameau soit présent dans cet endroit ou non. Que le chameau soit présent dans cet endroit ou non, il est interdit d'y prier. Donc là on a terminé le chapitre des endroits où il est interdit de prier, et là on rentre dans le chapitre de l'adhan, le chapitre de l'appel à la prière. Vous n'avez pas de questions sur ce qu'on a dit juste avant? Non. Non, pas très. Le khilaf sur est-ce que la prière est annulée ou pas. Ils sont unanimes sur le fait qu'il est interdit de prier dans un cimetière, mais là où il y a un khilaf, c'est est-ce que celui qui prie dans le cimetière, sa prière est annulée ou non. C'est là où il y a une divergence. Mais la vue le plus sûr, Inch'Allah, c'est que la prière est annulée. Il n'y a pas un khilaf dans le fait qu'on ne parle pas de l'annulation de la prière. On parle d'annulation de la prière. On parle, et souvent ils disent que la prière, elle n'est pas valide. Parce que lorsque le prophète interdit quelque chose, la chose que tu fais, elle est annulée. Et souvent, c'est ce qu'ils disent. Pourquoi de prier dans une ville ou une synagogue où il n'y a pas d'endroit où tu peux faire avec lui, tu peux faire ça. Et puis, comment il y a un hadith du prophète qui dit, Fassalli aynama darta salah. Tu as un hadith du prophète qui dit, prie à n'importe quel endroit où la prière t'a atteint. Et les savants ont dit que lorsque la personne est prise par la gorge, entre guillemets, et qu'elle n'a d'autre endroit que de prier, et se retrouve dans une église, il est autorisé de prier. En appliquant ce hadith du prophète, mais ça, il faut le comprendre dans le cas d'une grande nécessité et de force majeure. Allah Allah. Allah Allah, je ne sais pas. Moi, je ferai une recherche dessus, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a une mention sur les endroits où Allah Allah. Et une chose que j'ai oublié de vous dire la semaine dernière, je vous parlais des prières surrogatoires qui ont une cause. Je vous avais dit qu'il y avait un hadith du Prophète sallam qui prouvait que toutes les prières qui avaient une cause étaient autorisées de les faire durant les horaires interdites. Je vous avais dit qu'il y avait un hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. J'ai retrouvé une parole de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, qui dit « وَالصَّوَابُ أَنَّ جَمِيعَ مَا لَهُ سَبَبٌ مُسْتَثْنَى وَأَنَّ مَا لَهُ سَبَبٌ فَهُوَ جَائِزٌ وَدَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تحروا بصلاتكم طلوع الفجر ولا غروبها فدل على ان النهي على من صبر وانتظر حتى اذا كان عند الشروق الشمس او غروبها قام وصلى لانه في هذا يشبه حال الكفار الذين يسجدون لها اذا غربت او شرقت. Donc le cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit, et l'avis le plus sûr, l'avis le plus véridique concernant le fait de prier durant les horaires interdites, c'est que toute prière qui a une cause est exemptée de l'interdiction. Et il est autorisé de l'accomplir. La preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « La taharraw bi salatikum tulu'a al-fajri wa la ghurubaha » Ne désignez pas ou ne faites pas exprès de prier au moment du lever du soleil et du coucher. Et la preuve dans ce hadith, c'est la taharraw. Le cheikh dit, cela prouve qu'il est interdit d'attendre et de patienter jusqu'à ce que le soleil se lève ou se couche, puis de prier. Car à ce moment, la personne ressemble au kuffar, au mécréant qui se prosterne devant le soleil durant son lever et son coucher.
Et les savants ont déduit le fait d'attendre et de patienter. Et de ne faire cette prière qu'à ce moment interdit. C'est ça qui est interdit. C'est le fait d'attendre. De ne pas avoir de cause et d'attendre jusqu'à ce que le soleil se lève ou qu'il se couche pour prier. Or, pour celui qui a fait ses ablutions, pour celui qui entre dans la mosquée, est-ce qu'il a attendu le coucher du soleil ou le lever? Non. Il n'a pas attendu, il a fait ses prières. Pourquoi? Car il y a une cause. Car il a fait ses ablutions. Car il a fait sa istikhara. Car il est entré dans la mosquée, etc., etc. Il n'entre pas dans le cadre de ce hadith. Non. طيب كتاب الأذان باب الأذان الأذان لغة هو الإعلام وشرعا هو إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. Donc الأذان, et ici beaucoup de personnes font l'erreur en disant الأذان. Quelle est la différence entre الأذان et الأذان? Qui connaît? Non. Les oreilles. Les oreilles. Celui qui dit Al-Adhan, il a dit les oreilles. Celui qui dit Al-Adhan, il a dit l'appel à la prière. D'accord? Donc il faut être très précis lorsqu'on prononce un terme. Alors ce qu'on a dit, Am lahum adhanun yasma'una biha, en parlant de ceux qui étaient adorés en dehors d'Allah, alors ce qu'on a leur dit, est-ce qu'ils ont des oreilles qui leur permettent d'écouter? D'accord? Donc, lorsqu'on prononce le terme adhan, il faut bien dire adhan et non adhan. Et l'adhan, les savants ont dit qu'il a été légiféré dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et selon l'unanimité des musulmans. Et selon l'unanimité des musulmans. Quelle est la preuve de l'adhan dans le Coran? Qui connaît des versets qui parlent de l'adhan dans le Coran? وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. الله سبحانه وتعالى دي ساكي إبراهيم عليه السلام. نفس الله سبحانه وتعالى دي إبراهيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. Et appelle les gens au pèlerinage, ils viendront à pied. Appelle les gens au pèlerinage, ils viendront après. Et qui connaît d'autres versets? Non? Et un appeleur a appelé parmi eux. Qui connaît encore un autre? Un autre verset? يوم ينادي المنادي من مكان قريب. Là, tu es en train de. Les deux versets qui ont été cités dernièrement. Les deux derniers cités, prouvent le fait que Al-Adhan, c'est un appel. D'accord? Mais moi, je demande, quelle est la preuve dans le Coran qui prouve Al-Adhan, c'est-à-dire l'appel à la prière? Parce que là, quand on parle de Bab Al-Adhan, le chapitre de Al-Adhan, de l'appel à la prière. Quelle est la preuve de l'appel à la prière dans le Coran? Yunadi l'Iman qui appelle à la croyance. Là, moi, j'ai une preuve de l'appel à la prière. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ تَخَذُوهَا هُزْوًا وَلَعِبًا. Et lorsque vous appelez à la prière, ils prennent cet appel à la prière comme un amusement et une moquerie. En parlant de qui? Alors, Allah Ta'ala parle des munafiqin et des Ahl Kitab, des gens du livre. Au temps du prophète, lorsqu'ils appelaient à la prière, ils se moquaient des musulmans dans cet appel qu'ils faisaient. Et ceci car c'est un peuple où ce sont des gens qui n'ont pas de raison. Allah subhanahu wa ta'ala les a considérés comme n'ayant pas de raison. Et avec la raison dans ce verset,
La raison se divise en deux. Il y a la raison qui différencie un fou de celui qui ne l'est pas. Et il y a la raison qui est aql al-rushd, la raison de bonté, la raison qui te permet de faire les bonnes choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a nié la raison envers ces personnes, il a nié la raison qui permet de faire des bonnes œuvres, et non pas la raison qui permet de les différencier des fous. Taïb, un autre verset qui prouve Al-Azad, qui prouve l'appel à la prière. Ya ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah fas'au ila dhikrillah. Ô vous qui avez cru, lorsqu'il est appelé à la prière du vendredi, empressez-vous d'aller faire le rappel d'Allah wa dharul bay' et délaissez toute transaction commerciale. Et un autre verset qui prouve aussi Al-Azan, un des meilleurs versets qui prouve Al-Azan. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Les savants ont expliqué comme cause pourquoi est-ce que ce verset a été révélé, car des munafiqins, des hypocrites, se moquaient de ceux qui appelaient à la prière, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu en disant وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ, et quelle parole est meilleure que celui qui appelle à Allah وَعَمِلَ صَالِحًا et fait de bonnes actions. Et certains savants ont dit وَعَمِلَ صَالِحًا أي الصلاة, c'est-à-dire ركعتين بعد الأذان. Certains savants ont dit وَعَمِلَ صَالِحًا, c'est-à-dire ركعتين بعد الأذان. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, et qui dit je fais partie des musulmans. طيب, حكمه. Et donc ça, on en parlait du Coran, les preuves dans le Coran de l'adhan, de l'appel à la prière. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va les citer. Et l'ijma', l'unanimité des savants, est connue de tout le monde. حكمه الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة وهو واجب. عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم, حديث متفق عليه. فقد أمره صلى الله عليه وسلم بالأذان والأمر للإجاب كما هو معلوم. Donc le jugement de l'appel à la prière. L'appel à la prière, c'est un appel de l'entrée de l'heure de la prière en utilisant des termes bien particuliers. Donc la définition de l'adhan, c'est un appel à l'entrée de la prière, qui montre l'entrée de la prière en utilisant des termes bien précis. وَهُوَ وَاجِبٌ, et son jugement c'est l'obligation. L'appel à la prière est obligatoire. La preuve est le hadith de Malik ibn al-Huwayrith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque la prière est arrivée ou lorsque l'heure de la prière est arrivée, que l'un d'entre vous fasse l'appel à la prière et que le plus grand d'entre vous préside celle-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné dans ce hadith l'appel à la prière, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne une chose, cela signifie l'obligation. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع آذانا كف عنهم وإن لم يسمع آذانا أغار عليهم, حديث متفق عليه. Et selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il combattait, lorsqu'il sortait au combat, et qu'il arrivait à proximité d'un village ou d'un peuple,
ils ne les attaquaient pas et attendaient le lendemain et regardaient. S'ils entendaient un appel à la prière, ils s'abstenaient de les combattre. Et s'ils n'entendaient pas l'appel à la prière, alors le prophète alayhi sallam attaquait ce village ou ce peuple. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari wa Muslim. Et les savants utilisent ce hadith comme la preuve la plus forte qui prouve que l'appel à la prière est une obligation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam considérait le fait de ne pas faire l'appel à la prière comme étant une justification, un moyen de pouvoir attaquer ce peuple, de pouvoir attaquer ce village. Donc il est obligatoire de faire l'appel à la prière. Et il y a divergence sur ceci, sur le fait, sur le jugement de l'Adhan, et l'avis le plus sûr, comme le dit l'auteur, c'est qu'il est obligatoire. C'est une obligation, c'est un fard kifaya envers une mosquée, ou envers un village, ou envers une ville. C'est-à-dire que dans une mosquée, il n'est pas obligatoire pour chacun de nous de faire l'appel à la prière. Si l'un d'entre nous fait l'appel à la prière, l'obligation est alors enlevée sur chacun de nous. C'est ce que les savants appellent fardo al-kifaya. Et concernant celui qui prie seul, chez lui, il y a une divergence des savants. Certains savants disent qu'il est préférable pour lui de faire l'appel à la prière. D'autres savants disent qu'il lui est obligatoire de faire la prière. Comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah, considère que l'appel à la prière, c'est un fard kifaya pour une assemblée, et c'est un fard ayn, c'est une obligation pour celui qui prie seul. Et sa preuve dans cela, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé Al-Musi salatahu et lui a dit « Fatawadda kama amarakallah, thumma tashahad, fa'aqim thumma kabbir » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Puis fais tes ablutions comme Allah te l'a ordonné, thumma tashahad, puis fais la shahada » Les savants ont dit « Thumma tashahad ay adhin, fa'aqim » Ensuite le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit fa'aqim, c'est-à-dire fais al-iqama thumma kabbir, puis fais takbirat al-ihram. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wasalam a ordonné plusieurs choses à cet homme: de faire les ablutions comme Allah lui avait ordonné, de faire at-tashahhud, c'est-à-dire al-adhan, puis de faire al-iqama, puis de faire takbirat al-ihram. La parole des savants, l'explication des savants. Tashahad, les savants ont dit, ça ne peut vouloir dire que l'adhan. Et dans l'adhan, il y a shahada. Après l'odo, il y a shahada, mais les savants, ils sont, toutes les explications des savants que j'ai vues de ce hadith, ils ont tous dit, tashahad ay adhan. Il y a d'autres versions aussi. Il y a d'autres versions du hadith où le prophète lui a dit ثم أذن. Les savants, là ça me revient, et les savants ont rassemblé les deux riwayats et l'une explique l'autre. Mais il y a des hadiths où le prophète صرح بقوله أذن. Et les savants disent aussi que l'adhan, il est obligatoire في السفري والحضر. Il est obligatoire que les personnes soient en voyage ou sédentaires. Comme le dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Pour les femmes, il y a un khilaf. Al-Adhan et l'Iqama pour les femmes, il y a une divergence des savants. Et l'avis le plus sûr, Allahu A'lam, c'est que, comme le dit Cheikh Al-Albani et avant lui, Siddiq Hassan Khan, que Al-Adhan et l'Iqama ont le même jugement pour les hommes comme pour les femmes. Car le jugement est général. Et pour spécifier les femmes, il faut une preuve. Il faut un verset ou un hadith du prophète qui prouve que cette obligation, les femmes en sont exemptes. Or, il y a des hadiths, il y a des paroles des salafs, comme la parole d'Ibn Omar,
ليس على المرأة أذان ولا إقامة. Mais Cheikh Al-Albani rahimahullah a considéré que tous ces textes qui interdisent l'iqama et l'adhan à la femme sont faibles. Certains savants disent que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Al-Albani a dit que ce hadith était mawdou' dans Silsila Da'ifa. Cheikh Al-Albani a dit le hadith qui est dédié au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit il n'y a pas de adhan, il n'y a pas d'appel à la prière et il n'y a pas d'iqama pour la femme, c'est un hadith mawdou', mais il est rapporté par cette parole est rapportée par Ibn Omar radiallahu anhu. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a étudié et a vu que la parole d'Ibn Omar était faible. Et d'autres paroles comme Ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui aussi avait interdit l'adhan et l'iqama à la femme, Cheikh Al-Albani rahimahullah a considéré ce athar comme étant faible. Et il a trouvé d'autres hadiths, il a trouvé d'autres athars, comme le athar de Aïcha radiallahu anha, أنها كانت تؤذن وتقيم وتصلي وسط النساء. كعائشة رضي الله عنها faisait الأذان, كعائشة رضي الله عنها faisait الإقامة, et qu'elle présidait la prière et se mettait au milieu des femmes. Et un autre athar d'Ibn Mas'ud رضي الله عنه, lorsqu'il fut questionné sur l'appel à la prière pour les femmes, il a répondu violemment: comment pourrais-je leur interdire le rappel d'Allah? كيف أمنعهن من ذكر الله. Donc plusieurs preuves qui nous montrent que la vie le plus sûr inshallah tabaraka wa ta'ala, c'est que l'adhan, que l'appel à la prière et l'iqama sont autorisés pour la femme. Quand tu dis est-ce que les chaînes de transmission sont faibles ou c'est leur parole ou... Non, les chaînes de transmission qui sont faibles. Quand les savants disent ce qui est faible, c'est la chaîne de transmission. Et les savants qui interdisent disent que l'adhan, il a été légiféré pour appeler les gens à la prière. D'accord? Et ceux au temps du prophète qui appelaient les gens à la prière, c'était les hommes. Il n'était pas connu que les femmes appelaient à la prière. Il cite plusieurs athars comme l'athar de Abdullah ibn Omar qui dit ordonnez à l'un de vos hommes de se lever et d'appeler à la prière. D'autres savants ont dit que la femme, il lui est toujours demandé de baisser sa voix, le fait pour ne pas être une tentation pour les hommes. Dernier, autant de preuves que les savants ont citées pour interdire, et ils ont utilisé aussi ces paroles de Ibn Omar, il n'y a pas de adhan et d'iqama pour la femme. Mais comme on l'a vu, Cheikh Al-Albani rahimahullah considère que cette chaîne de transmission est faible. Et les savants qui autorisent l'adhan et l'iqama aux femmes, c'est quand les femmes sont entre elles. Que l'on soit bien d'accord. Ils sont unanimes sur le fait qu'une femme ne préside jamais la prière devant les hommes et ne fait jamais l'adhan devant les hommes. Lorsqu'on parle de l'autorisation pour la femme de faire l'iqama et de faire l'adhan, c'est lorsqu'elle est au milieu des femmes, lorsqu'elle est en présence de femmes. Et lorsque sa voix n'est pas entendu des hommes, et donc lorsque toute tentation est éloignée. Ou seul. Naam. Ou seul. Naam, ou seul. Selon la vie sur l'Albani. Parce que d'autres savants considèrent l'adhan pour la jama'a comme étant fard kifaya, mais pour le fard comme étant mustahab. Naam. فضله عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول أدان ينفيدة. Les savants disent الأذان لا يشرع إلا في الصلوات الخمس بإجماع العلماء. L'adhan ne doit être fait que pour les cinq prières. Et entre dans ces cinq prières الجمعة, car الجمعة remplace الظهر. Et quant à Salat al-Khusuf, les prières de l'éclipse, les prières de l'Istisqa, ce qui doit être appelé, l'appel à la prière, ce n'est pas un adhan, mais c'est As-Salat al-Jami'a. Il doit être appelé As-Salat al-Jami'a, la prière en groupe, la prière en groupe. Salat al-Ida, il n'y a pas d'adhan.
Salat al-Aidain, il n'y a pas de adhan. Les prières des deux fêtes, il n'y a pas de adhan, ni le adhan des cinq prières, ni as-salatu jami'a. Cela n'a pas été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu rassembles des prières, tu fais l'adhan ou l'adhan et deux iqamah. Lorsque tu rassembles des prières, justement on dit qu'il y a toujours un adhan et deux iqamah. فضله عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة حديث صحيح رواه مسلم. Donc les bienfaits de l'appel à la prière. Selon معاوية, qu'Allah l'agré, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: ceux qui appellent à la prière seront les gens le jour du jugement qui auront le cou le plus long. Qui auront le cou le plus long. وعن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصع الأنصاري ثم المزيني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه البخاري والنسائي. اسم عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن le fils de Abi Sa'd al-Ansari selon son père qui l'a informé que Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu lui a dit: je te vois aimer les bovins et la campagne. Lorsque tu es au milieu de tes bovins ou de ta campagne, et que tu appelles, et de ta campagne, et que tu appelles à la prière, élève ta voix dans ton appel. Car tout djinn et tout être humain, toute chose qui entendra ton appel, témoignera en ta faveur le jour du jugement. Et Abu Sa'id lui a dit: j'ai entendu cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont indiqué, comme Cheikh Al-Bain rahimahullah, l'obligation de faire l'adhan lorsque la personne est seule. Et ils répondent à ce hadith à ceux qui disent que l'adhan c'est uniquement pour appeler les gens en général. Et lorsque tu n'appelles personne, ce n'est pas une obligation. Or, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné, lorsque la personne est au milieu de son troupeau de bovins, d'ovins, au milieu de sa campagne, c'est-à-dire au milieu de nulle part, entre guillemets, de lorsque l'heure de la prière arrive, de faire l'appel à la prière et d'élever sa voix, car tout djinn et tout être humain, toute chose qui entendra cet appel à la prière, témoignera en faveur de celui qui a appelé. Il y a un autre hadith que l'auteur n'a pas cité, qui montre aussi les bienfaits de l'adhan, les bienfaits de l'appel à la prière. Le hadith est rapporté dans Sahih al-Targhib wa al-Tarhib de Cheikh al-Albani rahimahullah, hadith Salman al-Farisi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. Et selon Salman al-Farisi, qu'Allah l'agrée, il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'un homme est au milieu d'un endroit isolé, c'est-à-dire un endroit isolé, et que la prière arrive, que l'heure de la prière est arrivée, qu'il fasse ses ablutions. S'il ne trouve pas d'eau, qu'il fasse un tayammum. Puis, s'il fait al-iqama, priera derrière lui ses deux anges. S'il fait al-iqama, derrière lui ou avec lui prieront ses deux anges. وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ et s'il fait l'adhan et l'iqama, et s'il fait l'appel à la prière et l'iqama,
priera derrière lui parmi les soldats d'Allah ce qui prieront derrière lui les soldats d'Allah et leur bout ne sera pas visible. Leur bout ne sera pas visible. Yani le dernier de ces soldats ne sera pas visible tellement ils seront nombreux et éloignés à l'horizon. Ça, c'est un hadith qui montre vraiment l'importance de l'adhan et la grande récompense qu'ont ceux qui font l'appel à la prière. Et il y a une mas'ala que les savants ont étudiée, car quand ils ont vu l'appel à la prière, les bienfaits de l'appel à la prière, les grandes récompenses dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, les savants se sont posé la question, qu'est-ce qui est meilleur, al-imama ou l'adhan? Qu'est-ce qui est meilleur, de présider la prière ou de faire l'appel à la prière? Qui connaît la réponse? Non? C'est quoi la preuve? Mais l'imam, les savants ont dit, le fait de présider la prière, les compagnons ont présidé la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que présider la prière, il ne faisait pas l'adhan. Et ils ont dit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qu'on a cité au début, « فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَأُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous fasse l'appel à la prière et que le plus grand d'entre vous préside. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'un d'entre vous pour l'adhan et a dit le plus grand d'entre vous pour l'imam, pour le fait de présider la prière. Donc le fait de présider la prière, ce n'est pas quelque chose de négligeable, c'est important aussi. Non. Y a-t-il, quand on fait l'adhan, toute chose qui est en cours de l'adhan, il y a moins finalement, il va l'achat. Non, ça c'est une preuve des savants. Avec les savants, certains ont dit que le présider la prière est plus méritoire que de faire l'appel à la prière. Mais l'avis le plus sûr, Inch'Allah, c'est que l'appel à la prière est meilleur que de présider la prière. Pourquoi? Car il y a un hadith du prophète, un hadith authentique, qui dit « Al-imamu dhamin wal-mu'adhinu mu'taman ». Ensuite, le prophète sallam a dit « Allahumma arshid al-a'imma » Waghfir lil mu'adhdini. Le Prophète sallam a dit Al-imam dhamin. L'imam est dhamin, c'est-à-dire celui qui préserve, celui qui conserve, d'accord, la prière, et celui qui fait en sorte qu'elle se déroule dans de bonnes conditions. Wal mu'adhdinu mu'taman. Et celui qui appelle à la prière est digne de confiance. Pourquoi? Car on lui fait confiance sur l'heure à laquelle il a fait l'adhan. Et ensuite le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Allahumma arshid al-a'imma waghfir lil-mu'adhdhin. Et ensuite le prophète sallam a fait une invocation, a dit ô Allah, guide les imams waghfir lil-mu'adhdhin et pardonne à ceux qu'ils appellent à la prière. Et les savants ont dit que de préserver, plutôt d'être digne de confiance, est meilleur que de préserver. Ils ont dit aussi que celui qui préserve l'imam, en général, son statut d'imam lui est imposé. Or, celui qui est digne de confiance, il le fait de son propre gré. Ils ont dit aussi, le professeur Sam a dit, « Allahumma arshid al-a'imma, oh Allah, guide les imams et pardonne aux à ceux qu'ils appellent à la prière. » Ils ont dit que de demander le pardon est meilleur que de demander la guider. Et ils ont aussi utilisé la parole de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui dit « Laoula l'imama l'azzant » ou « Laoula l'khilafa l'azzant » Si ce n'était le fait que je sois le calife, le guide des croyants, j'aurais fait l'azzant. Non. Et ils ont aussi cité le fait que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'on leur a dit, mais le prophète sallallahu alayhi wasallam et ses compagnons n'ont fait que présider la prière. Ils n'ont pas fait l'adhan. Or, si ça aurait été une chose meilleure, le prophète sallallahu alayhi wasallam se serait empressé de faire l'adhan. Et les savants ont répondu
que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'était Amir al-Mu'minin. C'était le guide des croyants. Et le guide des croyants a une lourde responsabilité. Et cette lourde responsabilité ne lui permettait pas de faire al-adhan, de faire l'appel à la prière. Pourquoi ? Car le fait de faire l'appel à la prière, c'est une chose qui est difficile. C'est une chose qui demande du temps. Il faut scruter le ciel, il faut regarder, il faut être sûr que l'heure de la prière est bel et bien arrivée. Donc c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande de la précision, tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas, car il était préoccupé par les affaires des musulmans. Ça c'est l'avis de Cheikh d'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et d'autres savants ont dit, l'adhan est plus difficile que l'imama. D'appel à la prière, d'être un mu'adhin, surtout l'adhan de l'fajr, comme il y a deux adhan, on verra inchallah, il y a deux appels à la prière, ça demande de se lever tous les jours, tôt, de scruter le ciel. Et les savants ont dit, le fait de faire l'adhan, on appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait l'appel à la prière, il appelle les gens à Allah 5 fois par jour. Il fait al-shahada, il leur dit hayya ala salah, venez à la prière, hayya ala al-falah, venez à la félicité. Autant de choses qui prouvent que le fait de faire al-adhan est plus méritoire que de faire al-imam, que de présider la prière. Donc ça c'est bien le cas. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين